Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma première liste d'armées à Warhammer 40 000. Alors, j'ai commencé le hobby il y a un an avec les Sœurs de Bataille et ça fait environ 6 mois que j'ai vraiment commencé à jouer. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous partager comment j'avais fait pour construire ma et mes premières listes d'armées, quels outils j'avais utilisés, comment j'avais réfléchi, et puis aussi quelles difficultés j'avais eues et quelles astuces un petit peu j'ai trouvées et découvertes par rapport à tout ça. Je vous partage tout ça en tant que débutante, donc probablement qu'il y a des choses que j'ai faites qui auraient pu être mieux faites ou être faites différemment. Voilà, moi c'est comme ça que ça s'est passé, mais n'hésitez pas à partager vous en commentaire comment vous avez procédé ou si vous avez des conseils parce que vous jouez depuis très longtemps. Voilà, n'hésitez pas. Petit historique me concernant. J'ai commencé mes Sœurs de Bataille en V9, il y a un an environ, donc quand j'ai choisi cette armée, eh bien je me suis dit ok, alors quelle figurine je vais acheter en premier pour me faire une petite liste à 1000 points quoi. C'était un petit peu l'objectif que j'avais au début. Pour ça, j'ai trouvé des conseils notamment dans une ancienne vidéo d'AS Miniature où il parle, donc c'était en V9, mais il expliquait en V9 comment débuter chaque faction avec des petits conseils pour pas trop cher, avec une liste plutôt bien selon lui pour 1000 points. Et donc pour les Sœurs de Bataille, il conseillait tout simplement de partir sur 2 combats de patrol. Donc voilà, très simplement, j'avais envie de démarrer tranquillement, je me suis dit bon, il conseille ça, ça a l'air bien, partons sur ça. Donc j'ai pris une première combat de patrol. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai eu en cadeau d'autres figurines, en fait, qui n'avaient rien à voir avec la combat de patrol, ou des morceaux de la combat de patrol, et puis d'autres figurines. Ça, j'en parle dans ma dernière vidéo qui est dédiée à mon armée de Sœurs de Bataille, sur le bilan justement un an après. Mais donc en fait, tout ça, ça a un petit peu changé mes plans sur ma liste, ce qui fait que je me suis retrouvée finalement avec quasiment 1500 points de Sœurs de Bataille. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais pas racheter en fait une seconde combat de patrol maintenant, j'ai plutôt essayé de jouer avec ce que j'ai. Donc en assemblant au fur et à mesure, j'ai d'abord joué avec 500 et puis 800 points. Et une fois que j'ai joué avec ça pendant un certain temps et que j'ai commencé à être beaucoup plus habituée et à l'aise avec les règles, donc les règles de base, hein, les différentes phases, comment ça se passe pour tirer, voilà, les stratagèmes, enfin toutes les choses un petit peu à maîtriser, je me suis dit ok, maintenant je vais essayer de réfléchir à comment optimiser tout ça. Et là j'ai plus pris, donc ok, j'ai environ 1500 points, je veux une liste à 1000 points, comment je fais pour avoir une liste qui fonctionne mieux quoi. Donc pour ça j'ai été voir par exemple quelles optimisations je pouvais ajouter, quelles unités pouvaient vraiment bien se booster les unes avec les autres, par combien on pouvait jouer les figurines. J'ai donc continué à jouer un petit peu comme ça, avec une liste un petit peu plus optimisée par rapport à ce que j'avais. J'ai aussi fait quelques tests évidemment, mais bon, une fois que j'ai eu maîtrisé tout ça, pour vous faire rentrer très gros, après on rentrera dans les détails, je me suis dit bon, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai l'impression d'avoir comme point fort, comme point faible. Qu'est-ce que je pourrais acheter cette fois-ci en choisissant spécifiquement pour améliorer cette liste? Donc par exemple, une des premières choses que j'ai acheté, c'est de l'arme lourde. Donc la Retributor Squad, des armes d'assaut parce que je manquais un petit peu de force de frappe, comme ça. Donc je suis partie sur ça. Après je me suis dit aussi, bon, dans ce qui est à ma disposition, qu'est-ce que je peux acheter qui marcherait bien les uns avec les autres? Donc là, par exemple, je me suis rendu compte que le pack de Sacro-Sainte, qui est un bon pack plutôt de corps à corps chez les Sœurs de Bataille, peut être boosté par 2 leaders, une chanoinesse et une imagifère, qui chacune donne des boosts différents. Donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'acheter spécifiquement ces figurines-là, par exemple. Avant de rentrer donc beaucoup plus dans les détails, sur base de cette expérience que j'ai eue sur mes 6 premiers mois de jeu, on va dire, j'ai un petit peu déjà distingué 2 manières de faire pour construire, on va dire, sa première liste d'armées. Une manière quand on a déjà des figurines à notre disposition, et une manière quand on n'a pas encore de figurines du tout. Donc quand on a déjà des figurines, ce qui était donc à moitié mon cas, quoi, j'en ai acheté puis j'en ai eu, et bien là je dirais que je pense que tout simplement jouer avec ce qu'on a quand on est débutant, c'est déjà très bien. Parce que moi, franchement, mes premières parties, de toute façon, peu importe quelle figurine, quelle liste on m'aurait mis entre les mains, même la meilleure liste qui fait tous les tournois, j'aurais pas gagné pour autant, je vous assure, quoi. Parce que je maîtrisais pas bien les règles, en plus, si j'avais eu des règles encore plus complexes dans mon armée, avec justement des synergies spécifiques, j'aurais même pas su les utiliser, quoi. Donc clairement, pour moi déjà, jouer avec ce qu'on a, et après commencer à se dire, tiens, maintenant que je maîtrise, j'ai l'impression qu'il me manque ça, il faudrait que j'ai ça en plus, ça peut déjà être une très bonne base, quoi. Et puis on a le deuxième cas de figure, qui est en fait, tiens, j'ai envie de commencer cette armée pour la jouer, qu'est-ce que je pourrais acheter pour avoir une bonne liste et faire mes premières parties? Donc dans ce cas-là, on peut tout simplement acheter. En V9, on avait les codex déjà à disposition pour chacune des factions. Maintenant, en V10, il faut prendre les cartes d'index. Je reviendrai sur ça après. Mais donc voilà, avec ces cartes d'index, on peut essayer de se dire, tiens, je pourrais jouer ça, avec ça, avec ça, avec ça.
Sur ça, je dirais quand même que c'est peut-être une solution plutôt pour des gens qui ont plus d'expérience. Je dis pas que c'est impossible quand on débute, ça peut être très bien, ça peut fonctionner, hein, y a pas de souci. Surtout même peut-être si vous êtes très habitué des jeux de stratégie et que vous comprenez très vite comment ça fonctionne à Warhammer 40 000, voilà quoi, aucun souci. Toutefois, moi je trouve qu'il y a un petit risque avec ça. Le premier risque, c'est à moitié ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire d'acheter des choses en prévision de les jouer d'une certaine manière, et puis finalement, bah, au moment où on a fini de les assembler et de les peindre, la méta a changé, ou on a changé de version. Tout simplement, moi c'est ce qui s'est passé, j'ai prévu une liste pour la V9, et puis finalement, quand j'ai commencé à jouer sérieusement, on était en V10. Bon, ça arrive pas tous les ans, ça arrive pas tous les 6 mois, on est d'accord, mais vous voyez l'idée, quoi. Comme Warhammer 40 000, ça bouge beaucoup, selon le temps que vous allez mettre, ça se trouve, ça aura déjà bien changé en fait, par rapport à ce que vous aviez prévu. Après, si jamais c'est un truc qui vous arrive, vous découragez pas pour autant. J'ai vu récemment dans une vidéo de la Wargame Room, donc c'est Félix de la Wargame Room qui expliquait, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, dans sa vidéo, il conseillait selon lui comment faire pour débuter en V10 avec sa première liste, etc. Et il disait, en vrai, achetez toutes les unités qui vous font plaisir, achetez celles que vous trouvez jolies, vous prenez pas trop la tête parce que selon lui, quelque chose qui est fort aujourd'hui sera peut-être pas fort dans 3 mois, quelque chose qui est pas fort maintenant sera fort dans 3 mois. Et il dit, si vous continuez à jouer de toute façon sur quelques années, tout vous servira à un moment. Je trouve que c'est un bon conseil et c'est vraiment une bonne façon pour aborder ça. Donc si je me base vraiment sur l'expérience que moi j'ai eue, je conseillerais quand même d'acheter des choses. Au pire on se fait un mini plan, on prend une combat de patrol ou quelques unités qui nous plaisent et on les joue. Et après, on va voir, quoi. Toujours prendre aussi, je pense, les unités de base de l'armée, de l'infanterie, des choses comme ça. Ça peut aussi être bien utile, même pour comprendre les mécaniques de son armée. J'ai l'impression, en tout cas, avec les sœurs de bataille, avoir mes sœurs de base à jouer, c'est quand même très bien. Quand on regarde toutes les unités vraiment en détail, peut-être que si j'avais commencé en V10, en regardant vraiment dans les détails des cartes d'index, je me serais dit, bof, c'est peut-être pas assez fort, je vais aller prendre du Triomphe de Sainte-Catherine, Morvenval et compagnie. Mais en fait, je trouve que ça aurait pas été malin, en tout cas pour moi, parce que j'ai vraiment commencé avec des unités assez simples à jouer, et ça m'a permis de découvrir les règles, comprendre les mécaniques, et après, une fois que j'ai eu par exemple Morvenval et les Parangons entre les mains, de me dire, là ça y est, je vois l'intérêt de les avoir, c'est plus amusant, et j'arrive à les jouer à peu près correctement. Après tout ça, comment est-ce que j'ai fait de manière concrète pour créer mes premières listes, pour les modifier, les essayer, etc. Quels outils j'ai utilisés et comment j'ai procédé? La première chose pour construire sa liste d'armées, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis allée donc dans le livre de base, je l'ai en papier mais sinon c'est dispo en PDF gratuitement en ligne sur le site de Warhammer Community, et là vous allez à la partie rassembler votre armée. À partir de là, on vous explique déjà comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre armée pour que l'armée soit valable. Quand vous arrivez sur cette page, on va vous dire, la première chose à faire avant de créer votre liste, c'est de décider à quel format vous allez jouer. Une fois qu'on a choisi le format, on peut donc commencer à créer sa liste d'armée. Je vais vous présenter après les outils que moi j'utilise. Et ensuite, choisir ses factions. Mais ça, normalement, c'est déjà fait quand vous commencez à créer votre liste. À moins de faire plusieurs simulations par faction, même pour se décider, ça peut être le cas. Ça prend encore plus de temps. Mais si on kiffe vraiment passer du temps à ça, pourquoi pas, quoi, clairement. Et ensuite, il faut choisir sa règle de détachement. Règle de détachement, par exemple chez les sœurs de bataille, j'en ai qu'une seule. En gros, c'est plus je suis blessée et plus j'ai perdu de figurines sur des unités, plus j'ai certains bonus. J'ai plus facile pour toucher et pour blesser. Après ça, on rentre dans le vif et vous pouvez vraiment commencer à choisir quelles unités vont composer votre armée. Donc là, il y a quelques critères, du genre il faut au moins un personnage. On peut également mettre jusqu'à 3 fois un exemplaire de chaque unité. Sauf pour les lignes et les transports assignés, où là c'est jusqu'à 6 fois. Et voilà en gros. Et après on vous dit aussi qu'il faut choisir un seigneur de guerre, ou parfois si vous mettez certains héros épiques, on vous dit que ça doit être votre seigneur de guerre. Pour l'instant en V10, je crois que le seigneur de guerre ne sert à rien et n'a aucune incidence. En tout cas, moi j'ai jamais vu à quel moment ça servait. Pour sélectionner ces unités, où est-ce que ça se passe? En V10, là on en est actuellement, il y a quelques codex qui sont déjà sortis, qu'on peut donc acheter et avoir toutes les statistiques des unités dedans, ou il y a les index cards pour les codex qui ne sont pas encore sortis. Moi c'est ce que j'ai avec les sœurs de bataille, donc j'ai mes petites cartes qui m'expliquent, telle unité elle fait ça, telle unité elle fait ça, voici ta règle d'armée. Les index cards sont payantes, si on les achète en version papier cartonné. Moi je l'ai acheté parce que j'aime bien avoir le papier. Toutefois, il y a aussi une version gratuite qui existe en ligne sur le site de Warhammer Community. Encore une fois, on peut télécharger le PDF de ces règles d'armée gratuitement. Les petites cartes d'index cartonné, elles se présentent comme ça, tout simplement, et on a toutes nos cartes dedans. L'inconvénient par contre, c'est que c'est pas à jour pour tout le temps. Comme il y a des évolutions dans les statistiques, etc. Régulièrement,
voilà, il faut quand même tenir ça à jour. Donc moi, j'ai une technique qui consiste à mettre des petits post-it sur mes cartes, voilà, où on note la modification qu'il y a, et puis je m'en sors très bien comme ça. Et sinon, j'ai un autre outil pour créer mes listes, dont je vous parlerai après, qui permet aussi d'avoir tout ça à jour quasiment tout le temps, sans avoir à faire ces petits post-it. Une fois qu'on a donc ces unités avec ce qu'elles font, et puis le nombre de points auxquels on veut arriver, il faut quand même savoir combien de points coûte chaque unité. Pour ça, vous avez un PDF toujours sur le site de Warhammer Community, et là, paf, vous trouvez toutes les statistiques en fait dont vous avez besoin, c'est-à-dire chaque unité, combien elle coûte pour toutes les armées. Et ceci, c'est aussi régulièrement mis à jour. Par exemple, moi récemment, j'ai des unités qui ont bougé, certaines maintenant valent un peu plus cher, certaines maintenant valent un peu moins cher, voilà, c'est le jeu. Pour écrire ensuite concrètement sa liste d'armées, on peut juste prendre un papier, un crayon et noter tout ça. Ça fonctionne très bien. On peut aussi faire ça soi-même en fait, carrément dans des petits tableaux Excel. J'ai vu des gens faire ça, qui s'appliquent à noter toutes leurs stats, toutes les optimisations, toutes les choses. Et bah, ça fonctionne très bien aussi. Ça a l'avantage, je pense, qu'on apprend encore mieux à connaître ses unités. Enfin, si on a ce genre de mémoire, mais moi je trouve qu'en écrivant les choses et en rentrant les stats, ça peut peut-être rentrer un peu plus vite. Et puis sinon, y a un autre outil que moi j'utilise en fait, parce que c'est Sam qui a découvert ça, donc ça, mon amoureux qui joue aussi avec moi, très vite il a vu que ça existait, c'est le site ALN40K. Alors sur ce site, en fait, on peut faire plein de trucs. Je suis loin d'encore maîtriser toutes les fonctionnalités ou de l'avoir utilisé pendant des dizaines d'heures, mais une chose toute simple qu'on peut faire, c'est créer ses listes d'armées dessus. Donc quand on va sur le site, on peut dire, je me ferai bien une nouvelle liste d'armées. Donc on y va, tac, 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 on tape nouvelle liste, on dit quelle faction on veut jouer, en combien de points, et bim, on peut commencer à rentrer nos unités dedans. Tout va apparaître petit à petit. Le premier avantage que je trouve, c'est que c'est mis à jour très très régulièrement. Par exemple, au moment où je tourne, il y a eu une data slate, donc une mise à jour la semaine dernière. Et quand je suis allée sur le site d'ALN40K pour modifier mes listes par rapport à ça, quand je suis arrivée sur le site, c'était 3 jours après la mise à jour, c'était déjà à jour. Je sais pas à quel moment ça avait été mis, mais vraiment, moi j'avais déjà tout à jour dedans. Trop trop pratique. On peut donc cliquer sur l'unité qu'on veut ajouter à sa liste, et là on va voir apparaître combien elle coûte en termes de points, quelles sont ses aptitudes, ses capacités et quelles armes elle a à sa disposition. On ajoute ses unités de cette manière au fur et à mesure à sa liste. Et en bas, sur le site, ça nous a dit que tiens, là vous êtes à tant de points, donc vous avez tant de points en trop. Ou là, il vous reste tant de points que vous pouvez encore mettre à la liste. C'est quand même un bon gain de temps. Je trouve ça vraiment, vraiment bien fait et très très pratique. Vous pouvez aussi prendre une de vos anciennes listes, la dupliquer et partir de celle-ci pour la modifier et en refaire une nouvelle. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur le site, c'est qu'en fait, il y a une notion par contre d'évolution. Genre, il faut créer un compte. Et au début, il me semble qu'on peut mettre juste 3 listes d'armées. Mais plus on fait des actions, plus on crée des listes, plus on chipote sur le site, plus en fait, on a accès à des nouvelles choses. Par exemple, on peut avoir plus de listes. Moi, actuellement, je peux en avoir, je crois, jusqu'à 8. Donc, c'est assez pratique, quoi. On n'est pas limité comme ça tout le temps. Ça progresse gentiment. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'une fois qu'on a terminé toute notre liste, eh bien, en fait, on peut s'exporter cette liste en PDF, avoir notre petit document et l'imprimer comme on le souhaite. Et donc c'est quand même très bien de pouvoir arriver quand on va faire une partie avec sa liste claire, quelles armes sont équipées, quelles optimisations il y a, combien ça fait de points, combien ça fait d'unités. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le défaut si on joue juste avec ses feuilles cartonnées, c'est qu'on n'a pas tous les détails, donc on peut très vite avoir oublié l'équipement qu'on a mis. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. ALN40K, je l'utilise aussi pour en fait me faire un petit inventaire de tout ce que je possède comme figurine, comme unité dans une armée. Donc par exemple, j'ai une liste, c'est la liste Sista All, donc toutes mes Sista, et dedans je rentre en fait toutes les unités que je possède. Donc ça me permet d'avoir une vue et de savoir exactement combien de points j'ai et quelles unités. Pour revenir précisément donc à mes listes d'armées à moi et à comment j'ai progressé, une fois que donc j'avais, comme vous l'avez compris, eu ma combat de patrol, eu quelques unités en plus, joué avec ce que j'avais, cherché à optimiser ce que j'avais et puis acheter quelques unités en plus, je me suis retrouvée après donc à 1500 points environ. Mais quelque chose qui m'a fait vraiment progresser, ça a été en fait lorsque j'ai eu à participer récemment à un événement, c'était un petit tournoi à 500 points organisé près de chez moi. Et là, j'ai dû m'amuser à créer une liste à 500 points sur base des 1500 points que je possédais. Et donc voilà, quand on veut faire une liste à 1000 points et qu'on n'en possède que 1500, on n'a pas 150 choix non plus. On peut aller chercher du détail, et ça c'est intéressant d'ailleurs, on voit toujours qu'on peut toujours s'améliorer dans les détails, je trouve. Mais là, voilà, d'un coup, d'avoir 1500 points devant moi et de pouvoir jouer tout ce que je voulais parmi ça en 500 points, j'avais plein de choix. Et ça a été trop fun. J'ai pu vraiment m'amuser et j'avais plein de choix parmi des unités que je connaissais quand même, que j'avais déjà joué, que je maîtrisais un minimum. Voilà, j'avais pas plein de choix parmi tout un index. Ou parfois ça peut aussi être, je pense, un petit peu
perturbant, quoi. C'est clair que moi, si dès le début, j'avais regardé tout mon index et je m'étais dit, il faut que je sorte une liste, qu'elle soit à 500 ou à 1000 ou à 2000, ça fait tellement d'options, de possibilités, enfin, en tout cas, chez les sœurs de bataille, et bien là, je me suis éclatée. Parce que j'avais du choix, mais pas trop. Et voilà, j'ai passé comme ça toute une après-midi à étaler mes feuilles partout, à réfléchir à comment j'allais faire et à penser spécifiquement une liste. C'était vraiment très chouette. Et je vais vous présenter ça un petit peu plus en détail après, mais une autre chose qui m'a énormément aidé à progresser justement dans la création de listes, c'est le fait de maîtriser mieux le jeu. Alors ça peut paraître évident ou pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, de comprendre par exemple, tout simplement, je vais le redévelopper après, mais que le but, en tout cas actuellement dans Warhammer 40 000, c'est pas d'avoir les trucs les plus forts et de tuer toutes les unités, c'est pas nécessairement comme ça qu'on gagne la partie, le but c'est de scorer quoi. Et donc de mieux maîtriser tout ça et de pouvoir anticiper et me dire, tiens, je vais prendre telle unité pour réaliser un type de mission comme ça, là il me faut plus de mobilité, là il me faut plutôt du contrôle d'objectif, bon et là il me faut des trucs pour tuer des unités. Et ça j'ai un petit peu pu remarquer, je pense que c'est peut-être un réflexe logique en fait quand on a des armées qui combattent, on a vite tendance à se dire le but c'est de tuer les unités de l'autre quoi et voilà et c'est comme ça que je vais gagner. Or en fait voilà à chaque début de tour vous avez des missions, des objectifs à remplir qui peuvent être tuer une unité, tuer un personnage, voilà, mais qui peuvent aussi être il faut que une de vos unités soit à tel endroit sur la table, il faut que vous soyez sur tel objectif, voilà, c'est il y a vraiment des choses plus variées que ça. Donc il y a d'autres choses qui vont venir jouer quand vous créez votre liste et moi j'aime bien du coup essayer d'imaginer une polyvalence dans mes unités. Un autre truc que j'ai compris maintenant que j'ai avancé dans la création de listes, c'est de peut-être ne pas sous-estimer l'utilité et l'intérêt de mettre des unités en réserve. Forcément, on apprend les choses au fur et à mesure, mais au début, j'avais pas forcément beaucoup pensé à ça. J'avais une unité, les Séraphines, qui sont de la frappe en profondeur, donc comme elles avaient le mot-clé et tout, j'avais bien capté, je les mettais tout le temps en frappe en profondeur, et puis voilà. Mais en fait, après, au bout de quelques games, j'ai relu encore plus mes règles, j'ai continué, et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, oui, je peux mettre tant de points de mon armée en réserve, donc ça peut être rigolo de se dire, tiens, je vais aller mettre des machines de pénitence en réserve, ou des arcoflagellants, qui sont des trucs qui tapent assez fort chez moi, pour venir justement reprendre un objectif, apporter du soutien à une autre unité qui serait plus en difficulté, ou même juste pour scorer en termes de mobilité. C'est très utile. Une autre chose qui m'a fait progresser, c'est de commencer à imaginer au tour par tour ce qu'allait faire mon armée. Parce que ça m'est arrivé sur certaines de mes games au début, surtout ça m'arrive encore, mais voilà, c'est ça se passe bien tour 1 et tour 2, j'ai l'impression d'être bien en place, et puis finalement, tour 3, la balance se renverse, et je commence à me faire rayer de partout, et j'ai plus grand chose, et en fait je me rends compte que je me suis trop exposée. Voilà, donc ça, j'essaie maintenant de me dire, ok, tour 1, je peux me permettre peut-être d'exposer ça, je vais envoyer telles unités à tel endroit. Tour 2, je peux faire venir ça en plus. Tour 3, je vais avoir de la frappe en profondeur, et de la réserve qui va arriver là et là. Voilà, j'essaie un petit peu de me dire, bon, quelles unités je vais sacrifier à quel moment. J'anticipe aussi le tour par tour selon la compétence de la capacité de mouvement de mes figurines. Ça au début j'arrivais pas du tout à anticiper ça, je réalisais pas trop, je me disais j'ai une unité là, je l'enverrai là-bas tout à l'heure. Oui mais en fait cette unité elle bouge de 6 donc tu pourras pas l'envoyer là-bas, même si tu bouges de 6 à tous les tours, tour 5 tu seras pas là-bas. Une autre chose que je me suis mise à faire dans la création de listes, c'est que je me fais des petits croquis sur papier. En mode général de guerre, je me fais des dessins, cette unité elle va aller là à tel tour, voilà, mais en fait je me fais des petits schémas pour tester des dispositions, des types de déploiements et pour voir ça concrètement. Je trouve que c'est vraiment bien pratique et ça m'aide bien à me projeter sur ce que peut faire mon armée. Et pour revenir du coup sur mes sorts de bataille, je vous ai expliqué comment j'étais passée de 500 points à 1000 points, comment je faisais pour composer mes listes et comment je naviguais et choisissais mes unités. Pour le kiff, je vous parle des prochaines unités que j'ai envie d'acheter pour passer plutôt du coup bientôt sur du 2000 points, quoi, ça donne envie. Il va encore falloir que je gagne en vitesse de jeu, hein, parce que là, actuellement, si je joue à 2000 points, ça va durer 10 heures ma partie. Mais ça va venir, ça va venir. Et donc, je vous dis ça parce que du coup, je veux vraiment vous parler du fait que je suis vraiment en train de découvrir le plaisir de feuilleter mes petites cartes comme ça, de lire un truc et de me dire « Mais non, c'est dingue, ça fait ça, mais il me faut ça !» et de vouloir partir tout de suite au magasin acheter ça, quoi. C'est vraiment, je suis dans cette phase-là actuellement. Donc voilà, là j'en ai quelques-unes, mais en vrai, il y en a un peu plus de ça qui me font de l'œil. Mais déjà, on a Junit. Juste parce que, et il y a d'autres trucs, mais déjà Junit, en fait, elle me permet d'avoir des points de commandement supplémentaires. Donc de gagner gratuitement un point de commandement en plus à ma phase de commandement. Et je veux trop ça parce que j'utilise beaucoup mes points de commandement et souvent, je dois vraiment faire attention à bien gérer cette ressource. Mais là, si j'en avais un en plus,
à ma phase de commandement, je serai trop heureuse. Donc Junite, elle va venir chez moi bientôt. J'ai découvert aussi la Dogmata. Elle, ce qui est cool, c'est que quand elle mène une unité, elle permet d'améliorer la caractéristique de contrôle d'objectif de l'unité de 1. Donc c'est cool, tu deviens beaucoup plus fort en contrôle d'objectif, moi ça me ferait bien plaisir. Elle permet aussi à des unités ennemies de forcer des tests de commandement, d'ébranlement à certains endroits, donc de perdre par exemple un objectif. Voilà, très intéressant, petite figurine que j'aurais peut-être pas regardée au début, je serais passée à côté de l'intérêt, parce que si on regarde juste ses armes et ses stats, il n'y a rien de transcendant. Mais sur la capacité, ça me fait très envie aussi. Et puis après, dans des plus gros trucs, bah... il y a quand même le Castigator qui me parle pas mal. Lui, c'est un véhicule qui en fait a des belles armes. Il a l'air de bien taper et il coûte pas si cher que ça en points. Donc rien que pour ça, ça me fait de l'œil, quoi. Je me dis, oh, quand même, un beau véhicule qui va bien faire mal, c'est cool aussi. Voilà, je nuance tous mes trucs de non, mais le plus important, c'est pas que de taper fort, mais parfois c'est cool. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et intéressé. C'était mon expérience actuelle avec la création de listes d'armées. Donc ouais, c'est pas un exercice forcément facile au début quand on n'est pas familier avec, je trouve. Voilà, moi ce qui m'a aidé, c'est d'essayer de me dire, bah, je prends mon temps, je fais au fur et à mesure, je cherche pas forcément à gagner à tout prix dès le début. Ça m'a permis d'être patiente et de me laisser progresser comme ça. Et je dis ça parce que moi j'ai eu une expérience sur mes sorts de bataille où les premières fois que je les ai joués, j'aurais pu facilement tomber dans le raccourci de me dire bon en fait c'est pas très fort les sorts de bataille, oh là là ça va pas parce que elle meurt super vite, elle tape pas fort quand je jouais je sais pas avec mes petits 800 points où j'avais pas grand chose, même au début à 1000 points quoi. Mais finalement bah, très vite, je me suis rendu compte que bah ouais, mais j'oubliais quasiment tout le temps mes règles de détachement. Or, chez les sorts de bataille, mes règles de détachement, ça me permet quand même d'avoir des bonus au tir et à la blessure qui sont vraiment pas négligeables, en fait, cumulés sur une partie. Quand on les oublie tout le temps, l'armée paraît déjà moins forte, quoi. C'est clair. Pareil, j'ai ajouté une optimisation après. J'avais pas besoin d'acheter de nouvelles figurines ou de changer d'armée pour ajouter des optimisations, mais au début j'avais pas réalisé que j'avais une optimisation qui me permettait de relancer des dés de miracle, et en fait c'était super fort. Et juste sur ma petite liste justement à 800 points, en ajoutant ça, ah bah d'un coup, bah mes dés de miracle ils étaient beaucoup plus fiables et c'était beaucoup moins rigolo pour l'adversaire quoi. Et en fait, bah sans rien acheter, juste en optimisant et en améliorant ma maîtrise de mon armée, bah, je suis passée de « oh c'est peut-être pas si fort les sorts de bataille, c'est peut-être un peu nul » à « ah ouais ça commence à faire un petit peu mal quand même, voilà une relance par là, un bonus par-ci, des trucs cumulés, et ben ça fait la différence ». Voilà, mais donc je vous dirais si jamais vous êtes parfois dans des phases plus découragées, franchement bah voilà, non, gardez espoir quoi, enfin, ça prend du temps, c'est normal, parfois ça peut paraître difficile, ou pas pour d'autres personnes, mais voilà, chacun son rythme, son chemin, et on finit par retomber sur nos pieds, et on découvre des trucs au fur et à mesure, et ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement à la chaîne, la petite cloche pour les notifications, si vous en avez envie, c'est toujours un super soutien. Et puis, merci aussi à tous vos soutiens, notamment aux tipeurs. Grâce à vous, je viens d'investir dans des nouveaux micros, qui devraient arriver aujourd'hui, au moment où je filme. Voilà, c'est des doubles micros sans fil, qui me serviront notamment pour commencer du rapport de bataille, et pour mes vidéos interviews, voilà, et ou quand il y a plusieurs personnes, pour améliorer la qualité de tout ça, du son et de tout ce qui peut se passer, et avoir plus d'opportunités techniques pour faire des nouvelles choses. Voilà, un grand merci pour votre soutien. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.